canalisation de Jésus. Mes frères, aujourd'hui, je vous invite à suivre ma voix. Ma voix est lumière. Ma voix est source divine. Ma voix est vôtre. Sans votre voix connectée à la source, rien n'est possible. Tendez la main à l'autre afin qu'il reconnaisse la flamme christique qui vous habite. Ce qui vous a permis votre présence ici sur la terre, c'est que vous avez exaucé un vœu afin de venir récolter les semences divines pour vous permettre de grandir. Et tout ce que vous avez à franchir, c'est parce que vous l'avez demandé, puisque vous êtes venu ici avec des intentions de vous libérer, de guérir, de grandir et avancer dans le sens élévation. Et tout cela ne sera possible qu'avec Dieu. Il est là le chemin, mes frères. Vivez votre transparence, ainsi vous ne serez pas délogés, déroutés de votre vraie voix, votre vrai soi, votre divinité, car plusieurs tenteront. Restez collés ainsi à vous, c'est le chemin du miracle et de l'ascension. Ces temps-ci, nous avons besoin de vous pour inviter les autres à se reconnaître. Dans le visible et l'invisible, plusieurs âmes demandent à être libérées pour grandir. Vous êtes tous rendus là. Peu importe d'où vous venez, sur cette route qui prend l'allure d'un faisceau lumineux, c'est maintenant l'heure d'avancer. Et c'est ensemble qu'on va y arriver, tous ensemble. Vous êtes tous frères et sœurs de cette lumière royale et vous portez tous une couronne divine. Reconnaissez-vous. Reconnaissez votre divinité. Mes frères, je vous souhaite d'abandonner vos peurs et aussi tout ce que vous voulez acquérir sur le plan terrestre, car ce temps est révolu. Votre couronne est céleste. Amen, mes frères, je vous aime et je vous bénis.